Je suis pas raciste, mais j'aime pas les filles, ça pleurniche tout le temps. C'est pas parce que ton père est pharmacien que tu vas venir faire la loi ici. Et toi, pourquoi que tu la ferais la loi? C'est vrai ça, pourquoi il devrait la faire? D'abord, il est trop petit pour être le chef. Trop petit. Bah, et Napoléon alors? Bon, on veut bien faire ce que tu demandes pour ton grand-père Caruso. Mais on a décidé que... Tu dois nous montrer tes seins. J'en ai pas. On peut pas le savoir. Exécution. En avant. Exécution de l'opération Caruso Paprenel. En avant. Prêcheux. Ça s'écrit comment? P-R-E-C-E, accent circonflexe, C-H-E-U. L. Comment? Prêcheur, avec un L. Bah, tu comprends pas? Avec un R, il dit. Si. Prêcheux? Avec un R? Puisque tu es si intelligente, prends ma place. Monsieur Caruso n'a toujours pas payé ses charges. Ça fait maintenant la troisième année. Ah, ça, c'est trop fort. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui supporte toutes les charges de l'immeuble? Je ne m'appelle pas Caruso. C'est pareil. Vous êtes chanteur? Hélas. Voyons, monsieur Caruso. Pas Caruso. Néanmoins, je dois vous dire que sur les bateaux corsaires, quand le traiteur y payait pas la marchandise, eh bien, d'abord, le bois d'ébène est resté dans la cale, et ensuite, le traiteur lui mettait une pierre au cou et on le jetait à la mer, au requin. Oui, oui, là n'est pas la question. Revenons à nos moutons. Mais... Vous dites? J'ai rien dit. Tu dis quelque chose, toi, Jackie? Eh bien, moi, j'ai rien dit aussi, Polo. Bon, alors, quand avez-vous l'intention de régler votre part des charges de cet immeuble impayé depuis 3 ans? Lorsqu'on aura retiré cette conduite dont le coude de vidange a été placé juste sous ma fenêtre. Mais elle est nécessaire, cette Allô, je te reçois 5 sur 5. Y a-t-il des ennemis à l'arrière-garde? Non, ici, tout va bien. Cette conduite attire des mouches dans ma cuisine. Des mouches? Oui, monsieur, des mouches. Bleu. Vous ne dites rien, monsieur Prêcheux. Soyez notre arbitre. Vous savez, je suis surtout préposé. Hein. Préposé à quoi? Facteur. Oui, eh bien, vous êtes nouveau, donc impartial, donnez-nous votre avis. N'est-ce pas que Caruso doit payer ses charges comme tout le monde? Je ne m'appelle pas Caruso. Ah, vous, fermez-la, hein. Alors, cette conduite... Elle pue, je vous dis. Elle pue. Disons le mot, puisque vous ne voulez pas comprendre. Ça sent la merde. Bien, là, on a compris. Alors, il faut enlever ça de là. Ah non! Non, mais vous rigolez! On a payé assez cher pour la faire installer, on va pas payer en plus pour la faire démolir. On n'a pas besoin de payer pour la faire démolir. Alors maintenant, vous pourrez en faire régler vos charges. Comment ça s'est pas fait tout ça? Oui, bah il y a des fois silences curieuses, hein. Voilà, tu es content, alors, grand-père? Elle est bien démolie, ta conduite, hein. Alors, qu'est-ce que c'est, ces voitures-là? Elles peuvent pas se carrer ailleurs, non? Alors, c'est l'anarchie, quoi! C'est pas possible, ça! Qu'est-ce que c'est, ça?
Ah, bonjour, commissaire. Ne me touchez à rien, là. Vas-y, viens, chef. Alors, je laisse tout flamber, alors, hein. Mais non, je dis pas ça pour vous. Éteignez, voyons, éteignez. La grande échelle ne passe pas avec ces petites rues, qu'est-ce qu'on est, là. Faut éteindre, venez. Oh là là. Alors, qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Alors, où est le chauffeur, là, hein? Regardez-moi ça, j'ai sauté. Mais oui, la chose, on est arrivé. Bien fait. C'était extraordinaire, hein. Et qui te dort. Alors, vous allez être venu à faire vous, là. Allez, Bouillou, signez-moi le registre, puisque vous êtes là. Écoutez, vous voyez bien, je suis venu après la réunion, je vous signerai. Alors, dépêchez-vous. Oui, très bien, très bien. Bravo, petit cœur. Qu'est-ce que c'est, ça? Hein? Blessé au champ d'honneur? Oh, cours vite chez la pharmacie. Mais c'est rien, papa. Non, attendez, je vais l'amener à la pharmacie. Alors, occupez-vous du feu, hein. Oui, monsieur le commissaire. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je peux remplacer Bruno pour éteindre le feu, papa? Oui, va. Je vais vous aider. Je suis pas raciste, mais j'aime pas les flics. Je ne suis pas raciste, mais tous ces étrangers, ça finira mal. Car tu ne sais plus ce qu'il était, nous sommes infectés de Noirs, d'Espagnols, d'Arabes. Cela non content de nous faire payer cher leur pétrole, ils nous poursuivent les plans. Non, mon cher commissaire, j'ai le sentiment que cet incendie a été allumé par une main criminelle. Tiens, ça ne sera rien. Fais attention la prochaine fois en manipulant les seaux d'eau. C'est dangereux, ces engins-là. Tu as bien travaillé, n'est-ce pas, mademoiselle? Ça, vous pouvez le dire. Donc, voilà, ces enfants. Braves gosses, ils sont braves, ces petits. Maintenant, Caruso va régler ses charges et nous n'aurons plus d'odeur sous nos fenêtres. Ils sont braves. Salut, Paulo. Ah, vous voilà, bande de petits pirates. Vous manquez pas de culot de vous présenter devant moi. Et si le commissaire était venu enquêter ici pour savoir qui avait fourni les pétards, hein? Attendez voir que j'appelle Jambe de Fer, le corsaire, là, en bas de la falaise. Vous voulez que j'appelle Jambe de Fer? Bon, ça va pour aujourd'hui. Parce que le capitaine est dans un de ses bons jours. Autrefois, je vous faisais tous jeter au fer dans la cale. Hé, Polo, raconte-nous quand tu transportais du bois d'ébène. Ah, quand je transportais du bois d'ébène, avec mon voilier, la Marie-Jeanne. J'y faisais attention, hein, à la cargaison. Pensez du Sahara jusqu'à la Martinique. Je donnais bien à manger au bois d'ébène, moi. J'étais pas comme ces méchants capitaines qui les faisaient mourir de faim. Il y en avait qui chargeaient 300 têtes et qui en livraient à peine la moitié. Et il faut voir dans quel état. Moi, j'en livrais toujours les trois quarts. Et avec de bonnes joueuses. Ah, je les économisais. Je suis humain. J'étais un bon négrier. Vous voyez? J'ai tout Voltaire dans ma bibliothèque. Eh, ça valait de l'argent, hein, il fallait pas les abîmer. C'est avec ça que j'ai pu acheter ce château sur la falaise. Tous les trésors que vous voyez là, je les ai ramenés de la mer. C'est pas vrai. Comment, c'est pas vrai? C'est pas vrai. Attends un peu que j'appelle Jambe de Fer, le corsaire. C'était mon second à bord de la Marie-Jeanne. Il va vous dire, lui. J'en ai fait mon jardinier, il travaille en bas dans la falaise. Jambe de Fer! Excuse-nous, on est pressé, on a une réunion du conseil. Ah bon, ben alors allez-y. À
Alors, monsieur Prêcheur, toujours en grève? C'est la consigne, hein? Quand la consigne est de rester peinard, on ne peut pas travailler. J'ai très servi ça, hein, voyez ça, le bois d'ébène qui se révolte. Polo, qu'est-ce que c'est le bois d'ébène? Tu vois plus, le bois d'ébène, c'est monsieur Prêcheur. Salut Polo. Hé, hey, attendez-moi les copains. La niche. J'ai tout recommencé. Oh, mais on a raté le rapport. Il passe. Faut foncer dedans. Qu'est-ce qu'il fait, André, dans ce camion? Ils ont déchiré le drapeau. C'est un projet grandiose! Et la protection des sites? Oh, c'est dans la poche. Nous avons des arguments. Il faut mettre la palissade tout de suite. C'est un site grandiose qui vous protégez par une palissade. Une palissade? Oui! Ils ont dit aussi qu'ils avaient plein d'arguments dans leur poche. Ça veut dire des flingues! Hé! Hey, regardez! Ils enlèvent notre maison! Qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Alors, Bruno, on va leur parler, quoi! On va pas se laisser faire comme ça! Ils vont toutes leur casser! Et la réunion du conseil, les gars? On était venus pour ça, quand même! Mais c'est quoi, on va faire notre réunion maintenant qu'on a plus de cabane? C'est pas là, les enfants! Mais c'est notre terrain! Mais non, c'est pas votre terrain! Bon, d'ailleurs, on va fermer la porte. Vous pourrez plus rentrer. Allez, allez, Marleux, vas-y! Te voilà, Jules. Le premier point. À l'ordre du jour. On a envie de faire pipi. Tu nous embêtes comme toujours. Comment tu veux qu'on réfléchisse? C'est l'émotion. Moi aussi, on est ému. Moi, j'ai une bonne idée. Je crois qu'il faut faire une pétition. Qu'est-ce que c'est qu'une pétition? Ce que vous êtes ignorants, les garçons. Moi, j'aime pas les filles, alors. Je vais préparer la pétition. On va tout signer pour dire qu'on n'est pas d'accord avec les Dalton. Moi, j'aime mieux leur crever le pneu. J'amène du renfort. Qui c'est celui-là? C'est Bois d'Ébène. Il voudrait faire partie de la bande. Je demande qu'on l'inscrive. Moi, je mets mon veto. Raciste! Je suis pas raciste, mais lui, j'en veux pas dans la bande. A-t-il apporté des autocollants?
Ouais, pas mal. Comment tu t'appelles? Martin Prêcheur. Ha ha, Martin Prêcheur. Avec un nom pareil, il est bien le club des autocollants, hein? Oui, il est beau. Alors, on est d'accord? Oui. Bon, d'accord. Pour un. Mais c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il a, lui, alors? Attends-moi, Henriette, oh là là. Mais on va pas bientôt la raser, cette butte-là, pour en faire une plaine, hein? Oh, je t'en foutrai, des ordures. Ah, ça, c'est décent. Ah, bonjour, monsieur le commissaire. Ah, bonjour. Une nouvelle affaire de projet immobilier, ils ont mis une palissade. Tiens donc. De la combine, quatre promoteurs, très... Hein. Quatre promoteurs? Ce sont nos Dalton. Finissez sans moi, il faut surveiller le terrain. C'est une honte, des affiches obscènes qui salissent le regard de nos enfants. Mais je veille, vigilance. Bien sûr. Tiens, parent d'affiche, Isabelle. Oui? Il n'y avait pas un panneau, là, sur le comptoir? Le bébé qui cause, mais il est toujours. Mais... J'ai encore vu hier le bébé, je vais en chercher un autre. Ah, une tête de bébé, il y en a une aussi sur la palissade. C'est même la seule chose convenable. J'ai failli l'arracher. Mais le reste, c'est une honte. Ces ordures sur la voie publique. Oh, ne m'en parlez pas avec ces grèves. Tenez, pas plus tard que hier, j'en ai pris à Pigalle. Ah, et qu'en avez-vous fait? Je les ai là dans la poche. Dans votre poche, ces ordures? Oui, comme ça, ça ne blessera plus le regard de notre jeunesse. Oh, évidemment, enfin, ça doit être incommodant, non? C'est un fait. Ah non, je vous en prie. Allez-vous, ça ne risque rien. Ah, pardonnez-moi, j'avais compris de vraies ordures. Oui, évidemment, c'est des... Ah, c'est pas mal. Hein. Oui, enfin, c'est... C'est une honte. Oui, c'est une honte. C'est... Allez. Voilà. Non, c'est... Ça va, Flavien? Tu n'as besoin de rien, tout va bien. Non, ça va. Ton père se doute de quelque chose. Oui, tu veux rire? Il ne dit jamais rien. C'est Isabelle qui râle toujours. Alors, fais-lui signer la pétition. S'il signe, je suis sûre que mon père signera. Tu veux venir un instant, Flavien? Zut, j'ai pas le temps. Donc, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un engin qu'on fabrique pour le cours de sciences. Non, je veux parler du petit jeune homme qui... Ah, Martin Prêcheur. Martin Prêcheur, c'est très drôle. Dis donc, trouve pas qu'il est un petit peu foncé? Je suis pas raciste, mais... Non, non plus pas. Mais juste un copain, c'est pas pareil. Ah, c'est un copain? Ah oui. Oui, en effet, dans ces conditions, c'est... Oui. Pourquoi pas? Tu pourrais pas me signer ça? Qu'est-ce que c'est? C'est une pétition. On veut nous enlever notre terrain des ACC. Les assassins? Ne t'inquiète pas, petit gars. Le commissaire est là, ça s'arrangera. Ça ne t'empêche pas de la signer. Si on n'a plus notre terrain, où c'est qu'on jouera? Bon, mais tiens, tu verras ça avec ta sœur. Madame. Il se défile. On ne peut pas compter sur les parents. Il faut se débrouiller tout seul. C'est une catapulte. Qu'est-ce que c'est, une catapulte? C'est pour bombarder avec les tomates, quoi. Alors, elle marche, cette catapulte? Et comment qu'elle marche? D'ailleurs, tu vas voir ça. Des tomates, j'en ai pas trouvé aujourd'hui. Ah, parce qu'à la saison des tomates, on peut pas manger les tomates. Eh bien, débrouille-toi. Vous avez du sel? Ah oui, qu'est-ce qu'elle marche bien? Allons-y! Ils ont pris jus!
Bon, eh ben on va s'en occuper. Couvrez-moi. Sont excellents. L'essai est concluant. En sous-sol, un immense parking pour 2000 voitures. Au rez-de-chaussée, un supermarché. Et pour couronner le tout, des étages de bureaux. Je vous demande pardon, messieurs. Je me mêle peut-être de ceux qui ne me regardent pas, mais en ma qualité de corsaire qui habite la falaise depuis pas mal de temps, je dois vous prévenir qu'en sous-sol, ce sont des falaises crayeuses. Alors vos 2000 voitures là-dessous. Et le béton, monsieur. Nous consolidons tout avec du béton. Et les enfants, messieurs, avez-vous songé que vous les dépossédez de leur territoire? Que vous les privez de leur terrain de jeu? C'est garnement! La maison de correction. Discuter, on parle pas la même langue. C'est vrai ça, les ouvriers non plus on peut pas les comprendre, ils parlent portugais. En attendant, vous feriez mieux d'installer votre QG dans la remise. Vous feriez mieux de laisser tomber toutes vos petites plaisanteries, ça mène à rien. Oh non, on va pas laisser notre terrain aux Dalton, on y était avant eux. Jackie. Oui Polo. Sur le bateau corsaire, dès qu'un marin voulait émettre un avis contraire au mien, qu'est-ce qu'on faisait? Quick la vita. Mais maintenant, quand on n'est pas d'accord avec les décisions du capitaine, qu'est-ce qu'on fait? On démissionne. Non, on fait la grève comme Monsieur Prêcheur. C'est pas pour vous, hein, les gosses. Vous, vous pouvez pas faire grève. Vous foutez déjà rien. Vous avez un nouveau membre. D'où viens-tu, petit? De la Martinique. De la Martinique? Oh, alors, avec la Marie-Jeanne, j'en ai déposé en Martinique du... Du bois d'ébène. Puis ça a une bonne idée tout à l'heure. Quand on veut obtenir quelque chose, généralement dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? La grève. C'est vrai ça. Même les étudiants font la grève. Même les facteurs. Tiens, on fait la grève de la faim. Oh bah non. Alors on fait la grève de l'école. J'aime mieux ça. Oui. Hein. Et tu crois qu'avec ça, ils vont nous rendre notre terrain? Il y a des chances, puisque tout le monde le fait, c'est la preuve. Moi, je trouve ça complètement idiot. Ils s'en foutent, les Dalton, qu'on fasse plus nos devoirs. Puis c'est pas le maître qui va nous rendre notre terrain, il y est pour rien. Moi, je crois qu'il faut casser la gueule aux Dalton. Tu comprends rien, il faut faire parler de notre problème. Il faut forcer les gens à s'intéresser à nous. J'ai vu à la télé qu'on votait pour savoir quoi décider. C'est ça, votons. Ceux qui sont pour,
la grève se mettent le long du trottoir. Ceux qui sont contre la grève se mettent le long du mur. Évidemment, c'est tentant. Bon. Bon, adopté à l'unanimité. On commence demain. Zut, j'ai déjà appris mes leçons. Au fait, et Jules? Je l'avais oublié. Et Isabelle qui attend toujours. Qui c'est qui va le prendre? Ah, c'est pas moi. Je vais demander à ma sœur de nous fabriquer un nouveau drapeau. Moi, je vais réparer le tiroir caisse. Je peux pas, papa fait la grève. Grand-père est allergique au chien. Moi, je suis le chef. Moi, je suis le frère du chef. Tu prendras le chien, André. Et maman, qu'est-ce qu'elle va le dire? Tu en profiteras pour lui faire signer la pétition. Ça. Ah, oh, oh. Arrêtez net, c'est un monstre. Oh, arrêtez le. Tu as pas remarqué que j'ai fait le dîner? Tu veux pas signer la compétition pour le terrain? Il est tout propre. Il n'a pas voulu signer. Ouais, d'accord. Jules. Oh, Jules. Ah! C'est toi? Ça fait 2 heures qu'il chante celui-là, il y en a marre, hein? Quand je pense que ça fait 3 ans que j'endure en silence. En silence, hein? Ça te plaît peut-être? Ça me plaît, ça me plaît, ça me déplaît pas. Et puis l'opéra, ça m'endort. En attendant, moi je suis sûr que le petit est réveillé, lui. Oui, alors vos histoires de terrain, hein, on en a jusque-là. Écoute, Germaine. Bon, mais ta mère a raison. On en a jusque-là. D'ailleurs, écoute, c'est bien simple. Hein. Si ça continue, moi, je signe une pétition pour la construction de l'immeuble. Alors, voilà. Voilà ce que tu as gagné, va. Bonjour, les petits. Hé, Polo, tu veux bien nous garder Jules provisoirement? Ah, bien sûr, c'est mon copain, Jules. Jules, tiens, Jules, du sucre. Oh, Jules. Tiens, j'arrive, il est parti en chemin. Vite, vite. Attention, Jules. Oui. Il sera bien, là, votre Jules. Tu feras attention comme si c'était le mien. L'air de la mer lui fera du bien. Et si jamais il veut descendre en bas de la falaise pour se laver les pattes, Jambe de fer, le jardinier corsaire, l'empêchera de se noyer. C'est pas une falaise, je l'ai appris dans ma géographie. Une falaise, c'est pas ça? C'est pas une falaise. Écoute, puce. Écoute. Le ressac. Le bruit des vagues qui viennent battre. Tu as eu une riche idée de leur parler de grève. Quelle grève? Les gosses, ils veulent faire la grève à l'école. Mais laisse-nous, on écoute la mère. Écoute, puce, écoute. Oh! J'entends, puce. Une mouette. Une mouette. Hein? C'est une falaise, ça. Il y a des mouettes. C'est une falaise. Qu'est-ce que tu dis? Ils veulent faire la grève? Oui, la grève de l'école. À l'école. Oh, les pirates. Oh, ah, ils sont braves, ces petits. Priorité au terrain de jeu. Grève illimitée. Dépêche-toi, on va être en retard. Ça n'a aucune importance puisqu'on est en grève. C'est pas une raison, faut être à l'heure. On n'est pas des flemmards, on revendique, c'est pas pareil. Voilà. Port au promoteur. Hé, hey, les enfants. Le navire de l'instituteur entre au port.
La septième est une classe difficile, n'est-ce pas? C'est toute... Quel âge? Oh, jeune. En moyenne 11 ans, même 10 ans, même 9 ans. Oui. Il y en a un de 9 ans. Et le programme? Ah ben nous le suivons. Enfin, ce n'est pas encore, peut-être pourrions-nous... Mais au troisième trimestre, ça ira beaucoup mieux. Mais nous sommes au troisième trimestre. Ah, nous sommes au... Ah ben oui, suis-je bête? Non, à la fin de l'année, c'est... Pardon. Et la discipline? Ah, oh, la discipline, je peux dire que je n'ai vraiment aucun problème. C'est là votre classe? Ah oui, ce sont mes... Qu'est-ce que vous faites là, Olivier? Ils font la grève. Et vous? Je suis fils d'un flic, monsieur. C'est très bien, mon petit. Vous avez raison. Si je suis pour rien, tu voudrais bien faire la grève, mais ils veulent pas de moi. Priorité avec un nœud. Non, mais ils n'ont pas tout à fait tort, ces gosses. Non, laissez-moi vous poser. Olivier? Oui, monsieur. Vous auriez pu me prévenir? Je ne pouvais pas, monsieur. Pourquoi? Je ne suis pas un mouchard. Aïe, 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 aïe. De la grève, malheureux, mais vous me déshonorez avec ça! Quel est l'imbécile d'entre vous qui a écrit priorité avec deux E? C'est la seule chose sur laquelle l'inspecteur pourra me noter. C'est ma sœur, monsieur. Elle fait la grève aussi, votre sœur? Oh non, monsieur, mais elle sympathise. Oui, oui. Eh bien, je ne serais pas fâché de lui tirer les oreilles à votre sœur. Et puis vous lui direz que j'ai deux mots à lui dire. Oui. Ainsi qu'à tous vos parents. Bonjour. Je suis la sœur de Flavia. Ah, vous êtes la sœur de Flavia? Oui, il m'a dit que vous aviez deux mots à me dire. Oui. Vous mettez les mots dans vos poches? Je ne sais pas. Bon, bah écoutez, ça vous viendra certainement, moi je vais m'asseoir. Non. Enfin, si, je vous en prie. Vos enfants font la grève depuis deux jours parce qu'une société immobilière s'est emparée de leur terrain, soi-disant imprenable, faisant partie du périmètre protégé, pour y construire un immeuble. Encore un coup des Américains? Je ne suis pas raciste, mais... Hein? C'est une honte, ça transforme le charme des rues étroites. Oui, mais écoutez, transformez ces rues étroites en boulevard et je pourrai enfin passer avec ma grande échelle. Voilà. Bien pratique de n'avoir que la rue à traverser pour les achats. Oui, mais c'est ça le progrès. Ah là là. Ils n'ont rien compris. Moi, j'ai envie de mettre un oreiller dans ma culotte. Alors nous, on peut crever avec nos voitures de 4 saisons. On en a déménagé les 3/4 pour faire de la place dans la rue. Et qu'est-ce qu'on a mis à la place? Des bagnoles. Alors moi, je suis déjà coincée avec une bagnole à gauche et puis avec une bagnole à droite. Et quand il y en a une qui vient se garer devant en double fil, eh ben ça me fait un beau paysage. Eh ben moi, je dis merde à votre progrès. Eh ben quand il y aura un parking, j'encombrerai plus votre trottoir avec ma bagnole. Des clous?
Vous irez au parking quand vous trouverez plus de place le long des trottoirs. S'il vous plaît. Quelle décision comptez-vous prendre face à la grève de vos enfants? Les épauler dans leurs légitimes revendications? Oui. C'est inadmissible. Quoi? Inadmissible. Comment? Ces petits vagabonds-là qui se révoltent, foutaises, ils veulent rien. Foutre, oui. Des pauvres à rien. Des fainéants, des flemmards. Le premier prétexte est bon pour rester pénard dans son coin, je leur foutrai des grèves, moi. Et vous? Pardon? Le fainéant, le propre à rien, le flemmard qui veut rester tout seul dans son coin, peinard. Ça serait pas vous, par exemple? Mais nous, c'est pas pareil. Nous, c'est sérieux, oui. Mais aussi, monsieur, c'est sérieux. Ils luttent pour sauver le cachet de leur vieux quartier. Ils ont un idéal esthétique. C'est vrai, Bruno, qu'on a un idéal S-comédie? Ben, où est-ce que j'ai envie, moi? Michel Martin. À nous aller, monsieur. Sauvage. Regarde-moi. Mais pas du tout. Mais alors, monsieur le commissaire. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois vous dire que votre fils n'a pas fait la grève. Comment? Il n'a pas fait la grève? Bon, ben voyons, sois pas si sévère, écoute. Germain. Ah, te voilà, toi, ça me gosse. Oui, non, ben. Ah, ben, je sais pas ce que tu as fait, hein. Nous continuerons. Il faut qu'on nous rende notre terrain. Pourquoi vous ne voulez pas vous occuper de nous? Tu vas voir si je vais pas m'occuper de toi, moi. Je vais te faire passer le goût de la grève, hein. Tu m'en diras des nouvelles. Calife pas. Espèce de petite pute risquée, là. Mais alors? Alors, avez-vous retrouvé vos deux mots? Flavien m'a dit que vous sympathisiez. Eh bien, et vous? Dites-moi, comment écrivez-vous priorité? Priorité. Ah, je vois vraiment pas le rapport. Ah, ça fait rien pour me faire plaisir. P-R-I-O-R-I-T-E, accent aigu. Vous êtes satisfait? Tout à fait. Salut! Salut! Ça a donné des résultats, votre grève? Des résultats frappants. Ne te moque pas d'eux, Jackie. Ils sont braves, ces petits. C'est les parents qui comprennent rien. Polo. Oui, Jackie, bien sûr. Ils comprennent les parents. Ils comprennent pas tout à fait aussi bien que nous. Parce que nous, Montmartre, on l'aime. On l'aime tel qu'il est. Parce que nous, Montmartre, on y est né. C'est pas vrai. Comment, c'est pas vrai? C'est pas vrai, parce que tu as un accent comme papa. Et papa, il est de Marseille. Mais maman, elle est française. C'est vrai que c'est pas vrai, puce. Mais c'est vrai quand même qu'on est Montmartrois. Parce qu'on peut être né sur le vieux port à Marseille et aimer Montmartre quand même. Parce que lorsqu'on a longtemps voyagé sur les mers pour faire le corsaire un peu partout dans le monde, et qu'on vient s'établir à Montmartre avec tous ses trésors, eh bien, c'est un peu comme une seconde naissance. C'est pas tout ça, mais comment on va faire pour qu'on nous le rende notre terrain maintenant? Bon, on va délibérer. On peut pas compter sur les parents, ça c'est sûr. C'est Dalton qu'il faudrait faire sauter. Il faut les faire disparaître. Si on les kidnappait, ça se fait beaucoup. C'est bien possible. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? C'est moi qui lui ai dit de venir. On pourrait l'admettre maintenant. Moi, je dis non, je suis pas raciste. T'es pas raciste. Mais j'aime pas les flics. Moi non plus, mais ça fait toujours un de plus pour se battre. Ouais, ben en tout cas, il faudra qu'il fasse ses preuves. On pourrait lui demander de montrer ses seins. Il en a pas. Moi non plus, n'empêche. La question n'est pas là, il faut qu'il nous apporte des autocollants, quoi. Oui, mais des autocollants, pas ordinaires. Alors, si vous êtes d'accord,
puisqu'on les a perdus. On a décidé de t'admettre. Mais avant, il faut te mettre à l'épreuve. Voilà, il faut que tu nous apportes des autocollants. Ah oui, des filles à poil dessus. Vous êtes vaches, les cas où vous voulez que je les trouve. On va pas le savoir. Tu nous les apportes demain en classe, sinon... Exécution. Salut Polo. Salut Jackie. Au revoir Olivier. Tu vois où ça mène tes histoires? Oh, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on faisait à leur âge? Hein, Jackie? Des autocollants avec des filles à poil dessus. Où qu'ils veulent que j'y trouve? Oh, une bombe lacrymogène. Les filles à poil. Il y a eu un courant d'air et tout s'est envolé. Dis papa, je voulais te dire que je pensais être admis dans le club des autocollants. Ah, tu vois qu'on t'a enfin accepté, hein? Je suis bien content. Je viens justement de signer la pétition pour leur terrain. T'avais besoin de sortir ces autocollants devant le maître? Tu m'avais dit de les apporter en classe. Ah, quelle cloche. Est-ce que je suis admis? Oh, tu peux te l'accrocher, hein. Je les avais pourtant trouvés, les autocollants. Et je sais pas comment ces choses ont pu se trouver en possession de mon fils. Ça vous dit que ce sont des photos? Oui, plus ou moins. Ah. Plus ou moins. Très. Assez. Ah ah. Assez. En effet. Mais il serait pas possible de les voir, ces photos? Ah non! Non. Non, je pensais bien que je ne les ai pas conservées, je les ai détruites. Je n'aurais pas voulu qu'elles tombent en d'autres mains. Qu'on aille ébruiter des choses sur votre compte. Oui, bien entendu, bien entendu. Eh bien, je puis vous assurer qu'il sera sévèrement puni, mon fils. Oh là là, qu'est-ce que tu vas prendre? Dis donc, espèce de petit foutriquet, hein? Prenez vos bordasses, page... page 104. Et pourquoi qu'on appelle la police? Il trinque avec Caruso. Caruso, c'est un chanteur. Vous filez en éclaireur. Nous, on monte dans l'escalier. Moi, je garde la porte. Ah non, 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 vous connaissez pas celui-là. D'ailleurs, écoutez, je vais vous dire, hein. Si ça doit durer, moi, je casse la baraque. Ah non, 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 mesdames, il faut pas se faire justice soi-même. Laissez faire le commissaire, vous savez. Il ne m'aura pas au champagne, moi, hein. Allez, je vais, hein. Vigilance. Ah, bonjour petite. Je vais voir ton grand-père. Non. Comment non? Tu sais qui je suis? Vous êtes le commissaire, mais il n'est pas là. Il n'est pas là? Et qu'est-ce qu'il chante? C'est le magnétophone. Tu écoutes seul le magnétophone à 10h du soir? Pas de ma faute, je sais pas comment l'arrêter. C'est pas joli, grand-père Caruso, de se cacher derrière sa petite fille. Qui est là, Pimpronelle? J'entends une voix d'homme. C'est pas vrai, grand-père, ce qu'il va dire sur moi. Vous voyez? Je vous l'avais bien dit, qu'il valait mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Ah, je crois qu'il lui est arrivé son clou, hein. On va enfin pouvoir dormir sans boule qui est. Allez, un dernier petit verre. Et alors, à la fin... du deuxième tableau, lorsque le porello lui montre au catalogue. Oh, et pour que porti la gonnella, voi sapete quel che fa. Che fa. Quel che fa. Voi sapete quel che fa. A voi. Et l'acmé, l'acmé, la deuxième acte. Ah oui, la deuxième acte. L'istance de Nina Canta. L'acmé, toi, le regard se voit. Laisse, laisse, alors là, non, 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 je m'excuse, là, 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 là.
Je la connaissais. Oui, il la connaît. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est... Non, ça, c'est pas ça. L'acme, l'acme, ton regard se voile, ton sourire. Ah, il pleure, là, là, il pleure. Elle est bonne, la mère Lefort, avec son tout rivé. Tu as chanté les puritains. J'ai chanté les puritains. Tu as chanté les puritains. Fais-le-moi entendre, alors. Fais-le-moi entendre. Maintenant. Oui. C'est pas trop tard. On pourrait attendre demain, non? Fais-moi plaisir, fais-moi plaisir, fais-le-moi entendre. Fais-le-moi entendre tout de suite. Je peux pas te refuser ça. S'adresser à Dieu qu'à ses saints. Jules, le commissaire veille, mais nous aussi. Écoute, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Justice toi-même. C'est bien mystérieux tout ça. C'est normal, ils veulent te demander de m'avoir dans leur club. Après l'histoire des autocollants. On les mains. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Il est mort. Mais non, il veut dormir un peu. Allez, dépêchons-nous. Tu te mêles, Émile. C'est pas tes oignons. Et après tout, mort aux vaches. Légumes, la pauvre femme. C'est fragile, les légumes. J'espère qu'il va pas se réveiller. Moi non plus.
petit cœur. Jolie. Il est en train d'apprendre le frais ce matin. Il pouvait prendre une bonne laryngite. Il attend le facteur, comme d'habitude, pour des contrats qui n'arrivent jamais. Il n'est pas au courant qu'il y a la grève des postes, peut-être. Alors, à moins de tomber sur un jaune, mais des jaunes chez nous, il n'y en a pas. Tiens, en voilà un. Où? Ah, j'aime pas les jaunes, moi. Raciste. Oh. Farceur. C'est pas bientôt fini, le concert? Si ça continue, moi, je démolis le magnétophone, hein? Ça chauffe, ce matin. Elle a été trahie par le commissaire. C'est un mélomane. Oh, le commissaire. Vous avez lu la nouvelle? Non. Mes amis. Un commissaire kidnappé en plein jour. Un commissaire kidnappé? C'est rigolo. Mais regardez, c'est notre commissaire. Oh! Elle est bien bonne. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est triste, évidemment. Et les agresseurs ne sont pas encore manifestés. Alors, qui va faire l'enquête? Pas de commissaire, pas d'enquête. Ils sont malins, ces agresseurs. Bon, eh bien, c'est pas tout ça, il faut aller travailler. Allez, dépêche-toi. Allez, au revoir, plus tard. Au revoir, Jackie. Au revoir, Polo. Au revoir, capitaine. Polo. Oui, Jackie, le commissaire. Où c'est qu'il a envie, tu penses? Je pense pas, Jackie, ça me fatigue. C'est bien ce que je pensais. Oh oui, il s'ennuiera pas. Il a de la compagnie. Faudra lui apporter à manger. Il doit avoir faim avec l'appétit qu'il a. Non, il a de l'appétit. Isabelle a dit qu'il avait acheté des pilules pour maigrir, comme ça il n'en aura pas besoin. Ah, t'es pas drôle, hein. T'en fais pas, on s'arrangera. Moi, je vais aller chez ma mère pour prendre des légumes. Moi, je vais rapporter des bouteilles du bistrot. Le colis que vous avez déposé dans la remise, il peut pas rester là. On va pas le laisser dehors, il va avoir froid. Qu'est-ce qu'on va en faire? Bon, on peut pas le laisser partir maintenant qu'on a réussi à le prendre. Tu pourrais pas nous le garder en attendant? En attendant quoi? C'est risqué d'héberger un flic. Et si le séjour lui plaît pas? Allez, Polo, tu vas pas nous faire ça. Toi aussi, tu l'aimes, mon martre. Bon, le capitaine veut bien provisoirement se charger de cet intrus parce que c'est vous. Vous le mettrez à la cave. Mais vous vous occupez de tout. Je veux rien savoir. C'est humide, la cave. Ne crie pas! Je te ferai pas de mal! Je ne sais pas, je t'échappe de l'eau de la bateau! Pour que tu puisses manger. Ah, ça sert à rien de crier, personne ne peut t'entendre. Que comptez-vous faire de moi, misérable? Mort. Ah, quel cochon! Ça, c'est de la limonade, ça. Elle est pas bonne? Ouais, quand je mange, moi, je bois du vin. Quelle rançon comptez-vous demander pour me libérer?
À moins que vous ne vouliez m'exécuter. À titre d'exemple. Nous aviserons. Alors, dans ce cas, je vous demanderai la permission d'écrire mon fils. Et... Il semble que vous ne soyez pas d'accord sur la somme que vous exigerez. Nous ne voulons pas l'argent. Madame demande l'échange de ses frères prisonniers, peut-être. J'ai pas de frères, et si j'en avais, ils ne seraient pas prisonniers. Tu vas signer cet ultimatum. Assez, assez. Et le plan de résistance. Alors, il est bien installé. Je veux de la viande. Si j'allais me chercher des vitamines à la pharmacie, c'est pas ça qui va m'empêcher d'avoir faim. Pour organiser la garde. Et la nuit, je vais le garder. Il va avoir froid, Jules. C'est humide, la cave. Et dites donc, c'est froid pour papa aussi. Fais un mouvement ou tu es mort. Je suis armé jusqu'aux dents. Tenez, allez lui donner ça. Faut pas qu'il meure. Un homme mort n'a plus de valeur. Nous avons une petite course à faire, Berthe et moi. Tu ne m'avais pas dit tout à l'heure que tu voulais bien aller promener la petite Hélène ? Qui ? Moi ? Mais oui, toi ! Allez, vas-y ! Qu'il est gentil ! Je connais pas beaucoup de petits garçons de son âge qui accepteraient de promener un bébé. Oh, voleur ! Mes saucisses ! Oh, les brigands ! J'ai quelque chose pour vous. Donnez, donnez vite. Le voilà, votre contrat. Alors. Alors, c'est pour vous. Où ? Quoi ? C'est pour vous. Ah oui, oui, Marseille. Rigoletto. Rigoletto, c'est rigolo, hein ? Oui, rigolo. Tenez, restons pas ici. Venez, je vais vous offrir un verre. Venez, venez, venez. Je vais vous faire entendre quelques enregistrements.
tout en distribuant votre courrier, le grand perdu d'eux ne peut pas vous faire de mal, hein. Allez, le quartier, ça fait du bien, ma casquette. Vous n'aviez pas tout à l'heure, allez. Non, rentrez, je vous en prie. Oui. Vous avez vu comme il a pâli, le traître? Et la casquette? Les gosses l'ont raflé. Les garnements, là. Au revoir, maman. Au revoir, mon chéri. Ça a été facile. Mais tu peux pas te faire encore plus remarquer, non? Tu veux nous faire prendre? Pourquoi? Ça se remarque? Évidemment, oui. Bon, on va faire un petit enregistrement. Ah! Un message. On doit commencer à s'inquiéter dehors, hein? Comme on ne prend pas mesure, moi je vais mettre de l'ordre là-dedans. Oh, je me suis trompé de bouton. Non, laisse l'opéra petit. Non, on n'est pas là pour écouter de la musique. Si vous ne donnez pas satisfaction à mes agresseurs, il est à craindre que mes jours soient comptés. Ce sont de dangereux bandits, prêts à tout pour obtenir satisfaction. C'est bon. Hein? C'est bon. Alors, ça y est? On a eu du mal, hein. Heureusement que j'avais beaucoup de bandes. Et vous n'avez pas abîmé le magnétophone de Caruso, au moins? Oh non. Tout se passe bien, hein? Pas de nouveau caprice du prisonnier. Je vous avertis, la prochaine réclamation, je le passe par-dessus bord. Hein, qu'est-ce que tu dis? Non, on n'a rien dit. Ah, parce que vous savez que la chose primordiale à bord d'un navire corsaire, c'est la discipline. Et je ne transige pas là-dessus. Tu dis, Jackie? Moi, rien, Polo. Toujours les petits. Toujours nous, les petits qui trinquons. Hein? Qu'est-ce qu'il veut encore? Il veut un vrai lit. Et puis, il a de l'humidité sur les reins. Police. Vous désirez tout de même? Nous enquêtons. Qu'est-ce que tu attends, du maître? Commissaire, vous n'avez rien remarqué de suspect depuis qu'il a disparu? Ma foi, non. Pas d'autres disparitions? Écoutez, je cherche, mais... Ah! Ah, et quoi donc? Tu ne crois pas que ça ait de l'importance, mais... Tout a de l'importance pour nous. Vous n'avez rien à nous cacher. Eh bien, il y a une disparition de barres vitaminées. Je ne pense pas qu'il puisse s'agir de disparition. J'en ai beaucoup vendu ces temps-ci. Eh bien, lorsqu'il n'y a aucune disparition à signaler, je regrette. Salut, papa. Au revoir, mon petit. Mais entre nous, je vais vous dire, en ce qui concerne le commissaire, c'est un coup des gauchistes. Que pensez-vous du projet du supermarché de la Butte? Ah, je suis farouchement contre. C'est de la honteuse spéculation. Une action fasciste. Tenez, je ne suis pas raciste, n'est-ce pas, ma chérie? Bon. Laurent, j'ai quelque chose d'important à te dire. Il y a deux inspecteurs qui sont venus à la pharmacie. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils nous rendraient notre terrain? Tu parles. Tu parlais du commissaire. Mais c'est la voix du commissaire. Alors on l'a retrouvé. Prêt à tout pour obtenir satisfaction. Écoute. Quoi que je n'ai pas à me plaindre jusqu'ici et que je sois bien traité. Il manquerait plus que ça. Alors, je vous le demande instamment, arrêtez ce projet insensé de la Butte. Car pour but unique, défigurer mon marque. C'est bien. Vous venez d'entendre la voix du commissaire du 18e arrondissement. Oh.
Madame, vous êtes une criminelle. Une misérable criminelle. Vous savez ce que vous avez fait? Non, mais je vais le savoir. Vous avez détruit l'œuvre de toute une vie. Des souvenirs qui ne se transforment pas. Mais vous êtes fou. Oh, mais c'est un fou. C'est dormi. Mais enfin, mais vous êtes complètement fou d'arbre, hein? Elle est effacée. Elle est sans effacée. Vous avez effacé mes bandes. Mais pourquoi moi? Parce que vous m'en voulez d'avoir du talent. Nous ne cédons pas au chantage. Rendez-nous d'abord le commissaire et vous avez l'assurance que vous ne serez pas poursuivi. Nous examinerons. Allez, vous oubliez pas, grand-père. En ce qui concerne le terrain de la butte. D'autres informations. J'ai presque tous vos disques. Cette nouvelle affaire de prise d'otage dès qu'elle nous arrivera. Oui, mais en tout cas, on devrait leur donner ce qu'ils demandent, là, ces mystérieux agresseurs, non? Après tout, il a raison, le commissaire. Pourquoi vouloir nous mettre un grand building devant chez nous? Oui, bien ça. Oh, on a bien assez de la tour Montparnasse dans notre horizon. Hein. C'est vrai que ça ferait encore des étages à monter, hein, oui. Pour les recommander. Oui, et puis ça ferait plaisir aux enfants. C'est justement ce qu'ils veulent, alors. Si c'était pas des gosses, on pourrait même les soupçonner. Oh, les vaches! Ils avaient pas le droit. Ça va être la guerre. Tu crois qu'ils vont nous le rendre, notre terrain? Mais évidemment, ils peuvent pas faire autrement. Ils ne voudraient pas voir exécuter l'un de leurs hommes les plus éminents. Tu verras ce que je te dis, petit. Dans 2 jours maximum, les promoteurs vont abdiquer. L'affaire de la butte, voici un nouveau communiqué du parquet qui demande aux ravisseurs de libérer immédiatement le commissaire. Il est précisé aux bandits qu'ils n'obtiendront rien par la violence et que leurs conditions pourront être examinées une fois seulement. Abdiquer. Tu me vois là, hein, puce. Qu'est-ce que je fais? Tu manges sur tes genoux. Eh bien, c'est ça, abdiquer. Ah! Alors, les Dalton, c'est les abdiques. Ils vont manger sur leurs genoux? Mais non! Ça veut dire renoncer. Se laisser faire, quoi. Eh bien, se laisser prendre ses affaires, comme moi. Un vieux capitaine corsaire endurci. Tu peux comprendre ça, toi, puce? Dis, Polo, tu trouves pas que le temps passe? Pas assez vite, à mon goût. Et on n'obtient pas grand-chose. Vous, non. Mais le commissaire, par contre... Si on lui rendait sa liberté? Dans le fond, on sait plus très bien qu'en faire. Et on peut plus le nourrir. Jackie, hein? Tu te rappelles comment on faisait, nous, les corsaires, quand les planteurs de la Martinique qui voulaient pas nous acheter assez cher notre cargaison de... Hein? Qu'est-ce que tu as dit, puce? J'ai rien dit, Polo. Ah, bien. Bravo, petit. Notre cargaison, quoi. Eh bien, le syndicat des corsaires, il décidait de barrer l'entrée des ports. C'était beau, tous ces voiliers, ces magnifiques trois mâts, immobiles, impressionnants. Tiens, les bateaux de pêche barrent le port de Saint-Malo. Impressionnants, ces bateaux immobiles. C'est pas le port. Et les camionneurs, quand ils sont pas contents, qu'est-ce qu'ils font, hein, Jackie? Et les cultivateurs, quand ils sont en colère? Naturellement, ils barrent les routes. Ah, je te le fais pas dire. Bien sûr, quand on n'est que des enfants, on peut pas faire ça. On n'a pas de camion, ni de charrue, ni de bateau comme les corsaires. On peut tout de même pas prendre les bancs du square. Ça se fait pas, hein? Où dormiraient les clochards? Là, les flics! Les grand-mères! Qu'est-ce que c'est? Place de Tertre. Ah, vous prenez dans le sens de la plus grande pente. Tout droit. Schnell, yeah, schnell, danke, schnell. Danke. Place de Tertre. Non, ça s'interdit partout. Montmartre promenade. Jusqu'à ce qu'on nous rende notre terrain. Nicht Place du Tertre Voiture. Oui.
Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, on fait un numéro pour l'école, quoi. À quoi? Eh ben, t'es pas au point, hein? Regardez-moi ça. Petit voyou, hein? Pirate. Butez. Encore eux? Mais c'est pas vrai! Alors vous l'avez trouvé la place du tertre? Nein, nix place du tertre. Comment, qu'est-ce que ça veut dire? Pas de place du tertre? Nein. Oui, bon, ben on va voir. Je vais vous montrer qu'elle existe, moi, bon, la place du tertre. Ben on est prisonnier. Derrière, un sens interdit. Et devant un barrage. Voilà, ça facilite pas la circulation. Dites-moi, mon brave, si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce que vous faites ici? Je voudrais bien me reposer, mais c'est pas facile. Non, mais c'est une blague. Oh, madame, il y a longtemps que je ne fais plus de farce. Je me contente d'encaisser les coups du sort, d'un œil serein. Et c'est le sort qui a transporté ce banc ici? Cet âge est sans pitié. Pourquoi il parle comme la fontaine, le clochard? Quelle fontaine? Ce que vous êtes ignorant, les garçons. J'aime pas les filles, moi, alors. Allez, 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 reculez. Là, là, garez-vous là. Et puis après tout, allez-y à pied, place du tertre. Monsieur, je suis pressé, veuillez me livrer le passage, je vous prie. Mais moi aussi, je suis pressé, monsieur. Et en plus, vous êtes dans un sens interdit. Oui, oui, je sais, mais c'est un sens interdit qui ne compte pas, monsieur. Ah, parce qu'il y a des sens interdits qui ne comptent pas? Oui, pour les riverains. Et moi, je passe ici 20 fois par jour, alors croyez-moi, je sais ce que je dis. Je me le demande. Si vous étiez ici, vous verriez le nombre de voitures qui empruntent ce sens interdit. Nous sommes à Montmartre, monsieur, je suis chez moi. Mais monsieur, mais moi aussi, je suis chez moi à Montmartre. Ah, vraiment? Oui. Oui, monsieur. Mais dites. Eh, dites, monsieur. Je suis Montmartrois. Hein. De la Canebière, sans doute. Vous savez, monsieur, votre persiflage ne m'impressionne pas. Hein. Écoutez, monsieur, je ne suis pas raciste, mais vraiment, je pense que vous seriez plus à l'aise de circuler à Marseille qu'à Montmartre. Monsieur, Montmartre est à tout le monde. Ah. Et la loi est la loi. Je suis dans un sens autorisé et je n'en sortirai pas. Ah ben, dites donc, j'avais raison. Quoi? Mais regardez. C'est vous qui êtes dans un sens interdit. Ah ben ça, alors, comment? Mais j'emprunte cette rue tous les jours et puis elle n'a jamais été interdite. Eh ben, maintenant, elle l'est. Ils sont enfin aperçus que vous allez faire une bêtise de l'interdire dans ce sens. Ça n'est pas pratique. Ah, mais pour vous, mais moi, vous comprenez, ça va m'obliger à faire un détour, mais ça. Écoutez, je mais... Quoi? Il me semble vous avoir déjà vu quelque part. Vous n'étiez pas à la réunion de parents d'élèves? Ah, mais oui, mais moi aussi. Mais comment? Mais vous n'êtes pas le papa de... De Flavien, si. Je suis le pharmacien de la rue Ravignan. Oh, et moi, je suis le papa de Bruno. Oh! Le chef des autocollants. Vous les tenir, hein? Oh là, qui l'a dit, vous? Oh, mais ce n'est pas des vieux singes comme nous qui vont apprendre à faire des ribasses. Ah, oh, bah non, alors. Vous voyez pas que c'est un sens interdit, non? Hein? Des ouvres un parking. Quoi? Parking? Eh, ferme-moi! Eh, parking, parking, il n'y a pas de parking à Montmartre, voyons. Vous savez comment on dit reculer en allemand? Rasgen. Eh, Rasgen. Allez, Rasgen, Rasgen. Allez, bon voyage. Voilà. On est pas raciste, alors. Ah, bah tiens. Non, ben. Oui. Les embouteillages aujourd'hui. Je me demande pourquoi tu sors ce chien, puisqu'il est toute la journée au grand air sur la terrasse, depuis qu'on le retire au commissaire. Dis-moi, Jackie, tu n'aimes pas de temps en temps aller prendre ton apéritif au bistrot, au lieu de le boire tout le temps sur le coin de la cuisine? Eh, ma foi, oui, de temps en temps. Ça change? Eh, ben, Jules, il est comme nous, c'est pareil, il aime bien de temps en temps faire pipi le long du trottoir, au lieu de toujours le faire sur la terrasse. Les bêtes, c'est comme nous. Je me demande si les gens haut placés au gouvernement, ils s'interrogent sur le pourquoi de cette agitation intempestive. Parce que moi, de ma cabine de capitaine, à bord de la Marie-Jeanne, quand je voyais qu'il commençait à y avoir pas mal d'allées et venues sur le pont, et de petits conciliabules dans tous les coins, je me posais des questions.
Et en général, ça finissait par 3 ou 4 corps qui se balançaient au bout de la grande vergue. À partir de quel âge tu les pendais en haut de la grande vergue? Oh, les grands seulement. Seulement à partir de 10 ans. Même les mousses? Pas les petits mousses de 6 ou 7 ans. Non, ceux-là, quand ils se révoltaient, on ne les pendait pas. On leur donnait la fessée. Mais maintenant, c'est la décadence. On ne pend plus. On ne donne même plus la fessée. Alors, votre commissaire, faut lui dire de s'en aller. Moi, je tiens pas à avoir des ennuis avec la police. Tout ça, c'est de la faute à Olivier. Je l'avais dit qu'il fallait pas naître un fils de flic. Où il est d'abord? Il s'est tiré. C'est qu'il se sent coupable. Vous n'avez besoin de rien? Non, mais non, 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 mon garçon, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai ça. Je voudrais vous dire que vous êtes libre. Bien sûr que je suis libre. Faut que vous partiez. Oh, bigre! Alors ça, c'est une tenue de combat, ça. Hein? On a perdu. On peut plus vous garder. Mais non, il faut pas perdre le moral, jamais. Ils vont finir par reconnaître que leur projet est idiot. Il faut réécrire un ultimatum. Là. Tiens, va me chercher du papier. Enfin, vous n'allez pas abandonner si près du but. On peut plus vous nourrir. Mais réfléchissez, hein, réfléchissez encore et dites-vous bien, hein, que si vous ne me gardez pas comme allié, moi je deviendrai un ennemi. Alors, rien de nouveau? Non. Non. Les Dalton sont arrivés, mais ici il passe personne. C'est bien trop calme. Et le commissaire? Il ne veut pas s'en aller. Ah non, il va pas s'incruster celui-là. Après tout, on l'a pas invité, nous. Hein? On arrive chez les gens sans crier gare, on leur prend toutes leurs affaires. Jackie. Oui, Polo. Oh, tais-toi, tu leur fais de la peine à ces petits toits bien qui sont embêtés. Allez, va devant, je te rejoins. Jambe de fer m'a donné ça pour vous. Ils avaient caché dans une anfractuosité de rocher de la falaise avec le trésor des corsaires. C'était pour prévenir une attaque du côté de la mer. Doucement. Bien sûr, vous ne devez vous en servir que comme arme de dissuasion. Qu'est-ce que c'est une arme? Eh bien, on dit à l'ennemi, vous avez la bombe atomique, nous, on l'a aussi. Alors on va dire aux flics, vous avez des pétards, et nous, on en a aussi. Ils ont pas de pétards, ils ont des flingues, c'est bien mieux. Alors si nous, on a des pétards et qu'ils n'en ont pas, c'est plus une arme de dissuasion. C'est une arme d'agression, hein? Et qui c'est qui va se retrouver en prison? Ben c'est Polo. Allez, viens, assieds-vous. Et s'ils sortent leur grenade lacrymogène? Maman nous dit. Vous avez entendu ce qu'il a dit, Polo, pour les révolter? Je me demande des fois si Polo c'est un vrai corsaire. T'as pas le droit de dire ça. Polo est un vrai corsaire. Comment tu le sais? Je le sais. Ça y est, les gars. Dissimulez-vous. Vous ne voyez pas que c'est barré? En quoi vous voyez bien que c'est une barricade? Tiens, regardez le slogan sur les drapeaux. La tête de mort. Ce sont des corsaires. Alors, j'y vais. Toi, t'obéis aux ordres. Eh ben, ils ont drôle d'amusement, vos gosses. Mais d'abord, ce ne sont pas mes gosses. Il faut bien qu'ils jouent quelque part, nos gosses. Tout le monde n'a pas la campagne, comme vous. Oui, ben, les miens sont à Belleville. Hein. Bon, c'est pas tout ça, j'ai pas de temps à perdre. Allons-y. À vos commandements. Allez, montez tout ça. Je passe là, avec tous ces vauriens qui ont barré la rue, hein? Est-ce que ces vauriens ne seraient pas vos fils? Non, pas non, non, mais dites-moi, vous plaisantez, mon cher. Comme mais lisez vous-même, mon cher. Tenez, tenez, secours ACC, alors. Ne m'avez-vous pas dit que votre fils était le chef des ACC? J'ai dit, il faudrait savoir de quel ACC il s'agit. Il n'y a pas qu'un seul ACC en France. Secours, ça doit être secours rouge. Ah,
Encore un coup des gauchistes. Oui, oh. Sans être raciste, vous admettrez que le péril jaune, il est là. Le péril jaune. Le livreur est là. Qu'est-ce qui se passe? Circulez, là. Circulez, hein. Alors moi, je demande pas mieux, hein. Ma matinée va être foutue. Un revenant. Avec ma casquette. Mais c'est mon ciré que j'ai tant cherché. L'heure est mal choisie pour les réclamations. C'est papa. Qu'est-ce qui se passe? Mon père aussi, il est là. Je me dégonfle pas. Il y en a qui disent que ce sont les rouges, d'autres que ce sont les jaunes. Moi, je dis que ce sont les gosses. Vous vous laissez tenir en respect par les gosses? Hein? Venez voir. La finestra, oh mio tesoro, ah magnifique! Tu l'as trouvé ton emploi. Le costume te va à merveille. Léon, tu es Don José. Ton rêve est accompli. Excuse-moi, Hercule, mais l'heure est grave. Ah oui, l'heure est grave! Non, non, feu! Ah, faites attention, hein, tout de même! Ah, le on n'aurait pas dû admettre un fils de fille. La vie. C'est pas sûr, hein? Que je suis heureux! Mais pour une cadure! Au disque de mes œuvres, je les conserve comme un trésor! Gageons, là! Et le fort! Oui. Hé, hey, vos caisses, là! Vous voyez pas qu'elle elle figure en bonne place, alors! Et alors? Quoi, et alors? Oui. Et alors? Alors, ils disent ce qu'ils ont à dire. Eh bien, écoutez, en tout cas, reconnaissez que ce sont vos gosses, hein, et non les miens qui depuis... Ne mangez pas. Oh, ça, alors. Nous, on a des armes de dissuasion. Tu pouvais pas tenir ta langue, hein? Comment qu'il le saura qu'on a des armes de dissuasion si on leur dit pas? Alors, je les lance. Oui, oui, il est certain que si l'on considère les choses d'un point de vue enfantin... Ces enfants sont mal élevés, sont victimes de la démission des parents, et je sais ce que je dis. Oui, un peu de fermeté, on en vient parfaitement à bout. Flavia, je sais que tu es là. Merde, voilà ma sœur. Mais tu veux venir ici tout de suite? Tu vas salir ton costume, neuf espèce d'andouille. Alors, j'y vais? Oh, toi, ça va. C'est une honte. Oui, évidemment, c'est une honte, il faut agir. On peut tout de même pas envoyer les CRS contre des enfants. Hein. Veux-tu... Ah, on peut plus être tranquille nulle part alors. Oh, allez, courage. Hein. Non, revenez. Non. Mais c'est complètement... Vous allez vous casser quelque chose, Isabelle. Oh là, viens ici, toi espèce de... Oh. Isabelle, revenez. Dites. Votre petite, elle est drôlement bien. Hein. Elle a beaucoup d'ascendant sur son frère. Écoutez. Tu peux rien pour attendre, espèce de petit avorton. Ah oui. Oh. Allez-y, comme hein? Serpent. Arrêtez. Qu'est-ce que tu fais là, graine de révolutionnaire? Papa, ils m'ont admis. Peux-tu descendre de là, espèce de petit foutriqué? J'avais dit qu'on pouvait rien attendre de bon d'un fils de flic. On luttera jusqu'à la mort pour récupérer notre terrain. Les fauteurs de troubles étant tous mineurs, nous sommes dans l'obligation de dresser procès-verbal à tous les parents. Ah ben, ça, c'est tant mieux, alors. Tiens. Qu'est-ce que c'est, ça? Encore une palissade? Bah oui, évidemment, ils vont démolir le mur et ce sera l'entrée du supermarché. Vous mettez la palissade là, voilà, là. Non, j'ai envie. C'est pas le moment. Retiens-toi. Hé, hey, allez-y. À vos commandements. Feu. Qu'est-ce que c'est que ce salut? Corps des tomates. Ah non, c'est un œuf. Attache des tomates. Voilà, attention. Pardon, ne bougez pas, madame Tarqueux. Alors, restez là, ça recommence. Oh, là, là. Donc, sauvage. Oh, là, là. Monsieur, 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 salut! Saxman, bouge de place! Place, tu t'as! Monsieur, la voiture! J'en ai dit d'attendre! J'ai pas pu!
Où allez-vous, les enfants? On va voir le président. Vous avez rendez-vous? Non, mais Polo nous a dit qu'il nous recevrait sûrement. Pas question. Allez, allez, tous, tous. Non, mais... Allez. Allez, allez. Allez. Qu'est-ce qui se passe? L'huissier a frappé Puce. Il s'est évanoui. Vous n'avez pas honte de frapper un enfant sans défense? Je ne l'ai même pas touché. Ah bah ça alors! Il n'est pas tombé tout seul? Ouais, venez hein. Les enfants. Pirate. Alors pour parler franchement, je suis heureux de recevoir votre délégation. Vous avez très bien fait de venir me voir directement, d'autant plus que j'ai beaucoup réfléchi à la question et que j'envisage une concertation avec les organismes compétents afin de régler... Je vais enlever mon terrain en Galton et le rendre parfait. Oui. Mon plus cher désir est que tous les enfants de Paris aient leur terrain de jeu. Nous avons déjà examiné favorablement le projet de Montmartre et je veillerai personnellement à ce que soient respectés dans cette réalisation les espaces verts réservés aux enfants. Voilà. C'était un projet qui tenait à cœur à l'ancien président. Il était difficile d'aller à l'encontre de ce qui avait été approuvé. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut vivre avec son temps, non? C'est pas bien beau, hein? Peut-être. Et à l'intérieur, il y aura le centre lyrique le plus beau du monde. C'est une honte. Moi, je trouve que ça a de la gueule. Et quel parking! Moi, j'ai plus qu'à aller planter mes choux. Je pourrais plus les vendre. Tous ces étages à monter. Hein. Germaine, il va falloir agrandir le bistrot. Et voilà le dernier village de Paris qui s'en va. Il ne nous reste plus qu'à aller à la campagne. Ah non, non, moi de toute façon je préfère la ville. Avec ça? Ah bah évidemment je préférerais sans les tours, oui. Oui mais de toute façon je préfère la ville. Mais je vous convaincrai, je vous emmènerai à la campagne. Ah non. Oh si. Ah mais non. Oh ben vous verrez. Mais j'aime la ville. Si si, venez, c'est pour moi. Ah mais non. Si si, venez, mais je non. Vous en prie. Émile, il n'y a plus de place pour toi ici. Il va falloir t'installer sur les quais. Jackie. On plie bagages. Vous partez? On reprend la mer. Oui, on est exproprié. On va construire une grande tour. Alors on va chercher une autre butte, puisque celle-ci, elle est foutue. Et nous? On ne vous oubliera pas. Dès qu'on aura abordé sur une butte plus hospitalière, pleine de terrain de jeu naturel, on vous enverra la Marie-Jeanne. Et Jambes de Fer vous ramènera. Hein? Allez. Au revoir, les petits. Au revoir, Polo. Au revoir, Jackie. Au revoir. Au revoir, Jackie. Polo était un vrai corsaire.